Luc Dufour, je suis étudiant en électronique industrielle. L'année dernière, j'ai fait le programme en technique du véhicule électrique. Avant, j'étais musicien, j'étais enseignant aussi. J'ai quitté et je me suis réinscrit ici en technique du véhicule électrique. Je trouvais que le programme était un programme innovateur. Le monde du véhicule électrique, c'est nouveau, ça s'en vient. C'est déjà présent, mais ça va grossir encore plus. La formation en TVE, c'est une formation continue. Ça, il faut avoir ça en tête. Donc, ça veut dire que on étudie, les élèves ils ont déjà un bagage de vie, ont déjà un bagage professionnel pour la plupart. L'ambiance en classe est beaucoup de partage. Plusieurs élèves ont des connaissances que d'autres n'ont pas. Et nous, notre cohorte, on s'entraidait beaucoup, donc on se partageait beaucoup. Ce qui fait que les classes restent quand même assez dynamiques. Très dynamique en fait, très enrichissante aussi. Tant le professeur que les élèves vont amener des connaissances, puis après ça, on les réintègre ça dans des ateliers, dans des exercices et finalement dans les véhicules. Le projet de VTT converti de façon de lui mettre un moteur électrique, en fait, c'était très formateur parce que on était concepteur et fabricant aussi, je vais le dire comme ça. Donc, il fallait réfléchir doublement pour faire en sorte qu'au bout des 5 semaines, on arrive avec un véhicule qui roule et que les composantes, dans le fond, de commande et de gestion des systèmes là, soient fonctionnelles.